Voilà, mes chers amis, tel que je disais, s'il faut reprendre ce petit chemin, c'est tellement facile. Comment est-ce que je peux choisir qui peut voir mes statuts ou qui ne peut pas le voir? Très simple. Donc, vous êtes sur votre écran d'accueil, sur votre. Là, c'est le mien que vous êtes en train de voir. Alors, vous choisissez, vous lancez vos applications, vous allez entrer sur WhatsApp, très simple. Ensuite, vous devez y aller. Au niveau de vos statuts. Ensuite, c'est très simple. Vous cliquez sur le point, le trois points qui sont à droite, sur le coin supérieur droit de votre écran. Voilà, je viens de faire le mien. Vous choisissez l'option, la première option qui est, la première option plutôt, qui est confidentialité du statut. Voilà, vous choisissez. Voilà, et vous êtes arrivé. Très simple. Ok, voilà. Et là, vous avez la question qui se pose. Qui peut voir mes mises à jour des statuts? Moi, j'ai choisi mes contacts parce que c'est à chacun de prendre une décision. Mais si, par exemple, vous ne voulez pas que tel ou tel puisse voir vos statuts, venez par exemple sur mes contacts, sauf le nom que vous allez sélectionner, ce nom-là, ou ce nom-là qui ne verra pas votre statut. Et là, vous avez mes contacts, donc il suffit que je choisisse tel directement, cette personne ne verra pas mes mises à jour des statuts. L'autre, troisième option, la plus simple encore, c'est de dire ne partager qu'avec, c'est toujours dans le même ordre d'esprit, quoi, dans le même ordre d'idée. Donc vous dites par exemple ne partager qu'avec, vous allez choisir avec qui vous voulez partager, avec qui vous ne voulez pas. Donc, si par exemple je choisis cette troisième option, alors le nom qui apparaîtront que je vais choisir sont ce nom-là, seul ce nom-là peut voir mes statuts. Donc voilà, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Anglématique TV, une chaîne qui donne plus d'importance à l'éducation de la jeunesse, à l'éducation de tout le monde, tout en sachant qu'en pédagogie, l'éducation commence de la conception et va conduire l'homme jusqu'à la mort. Donc voilà, elle prend fin qu'à la mort. Donc nous aidons les amis à découvrir ces astuces qui sont tellement capitales dans l'usage de leur téléphone. Parce que selon les statistiques, il y a pas mal de gens qui n'ont, en fait, qui ne maîtrisent pas encore ou qui ne sont pas encore habiles avec le téléphone mobile, les ordinateurs. Et pourtant, nous savons que le monde évolue davantage, la technologie a déjà pris son ampleur, alors c'est à nous de nous adapter, de nous efforcer. Voilà, ne manquez pas de commenter s'il y a quelque chose de plus que vous voulez connaître avant, tout en sachant que la chaîne vous réserve pas mal de surprises. Likez, voyez nos vidéos qui cadrent avec l'éducation. Donc, nous sommes plus dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Allez, une excellente journée et une très bonne matinée. À tout un chacun, que Dieu vous bénisse. Peace.